Et yo la team, c'est Jérémy Sensei, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va plutôt bien, puisqu'hier j'étais où? Eh ben j'étais au FIT Tour à Lyon. Donc le FIT Tour, le Finance Investissement Tour, pour ceux qui ne connaissent pas, organisé par Greenbull et présenté par Yann Darwin et Don Pierre Albertini. Alors je te cache pas que franchement, mec, la soirée était exceptionnelle. C'était une très très bonne soirée, une très bonne conférence. Mais ce qui l'a rendu exceptionnel, c'est que j'étais avec des amis. Et parmi ces personnes-là, il y avait un pote à moi, Clément, qui a sa marque de montre, Olympe Luxury. Je fais un petit peu de pub gratos, mais c'est pour la bonne cause. Parce que grâce à lui, on a pu avoir des moments privilégiés. Mais quand je dis privilégiés, c'était incroyable, puisqu'on s'est retrouvés littéralement à 2 h du matin sur le trottoir, après la conférence, à discuter avec Yann, qui attendait son VTC. Et il y a eu l'unboxing d'une des montres que Olympe Luxury lui a offerte. C'était franchement un plaisir. C'était un plaisir, on a pu avoir ce moment privilégié, pardon. Merci Clément. Grâce à toi, frérot, j'ai passé une des meilleures soirées, en tout cas de 2022. Donc, pour faire un peu un retour sur ce qui s'est passé pendant cette soirée, une conférence organisée et présentée par Yann Darwin et Don Pierre, comme je vous le disais, qui portait sur l'investissement de manière globale, l'immobilier. Un petit peu plus de 900 personnes se trouvaient dans la salle, donc ça attirait beaucoup de monde. En même temps, c'est qu'à moitié étonnant hein, quand on voit un petit peu le contenu que peut proposer quelqu'un comme Yann Darwin ou alors tout simplement. Les qualités oratoires, frérot, que je n'ai pas encore de Don Pierre Albertini. C'était principalement porté sur du mindset, deux, trois connaissances de manière générale. Ah, donc 2 heures de conférence, des photos à la fin, c'était le feu. C'était le feu, franchement, j'ai kiffé. Je ne vous cache pas que je suis reparti de là-bas avec des étoiles plein les yeux. Même si j'étais et que je le suis toujours ultra motivé de manière générale, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérémy, je fais de l'immobilier depuis 2015. Je fais beaucoup, beaucoup de rénovations. Je possède en association une quinzaine de lots. Jusqu'à 20, on en a eu jusqu'à 20, donc je sais un petit peu de quoi on parle. Et du coup, ben, je voulais aller à cette conférence parce que ça me tenait à cœur déjà de rencontrer Yann, de le voir, de voir un petit peu celui que je suis tous les jours sur les réseaux sociaux. Donc, mission accomplie, mission accomplie. Je pensais vraiment pas que tout ça se passerait comme ça. Je l'espérais, mais je pensais pas que ça allait se passer aussi bien, qu'on aurait autant de temps. Avec lui, même si à la fin tout a une fin, il a fallu partir. Mais en tout cas, pour moi, ça a été excellent. Je vous mets tout de suite des images. Et oui, poto, en fait, j'ai oublié de te préciser, mais là, tu vas voir des images exceptionnelles. C'est l'unboxing des deux montres que Olympe Luxury a offert à Yann et Don Pierre. Donc, dans un premier temps, tu vas voir Don Pierre Albertini ouvrir sa montre. Donc, ça, c'est en fin de conférence et c'est encore à l'intérieur de la salle. Et surtout, après, étant donné qu'on s'est fait dégager de la salle, frérot, eh ben, on se retrouve dans la rue, au téléphone, à la lumière du téléphone. Et là, tu verras Yann, à son tour, ouvrir sa montre. Et bien sûr, j'ai filmé tout ça pour toi. C'est tout de suite. L'unbox, vous êtes des ouf avant qu'on se fasse virer. Oui, c'est un peu bon. Ça. Me vire pas avant l'unboxing. C'est parti, j'ouvre ça. Vas-y, ce que tu veux. Normalement, je suis pas content. Attends, que t'as la prestation. Vérifie. C'est bon, c'est la tienne. C'est bon, c'est la mienne. C'est stylé, hein. Tu rigoles pas, c'est. Viens au bout, attends. Oh. Ah ouais, du coup, ah ouais, la surboîte. Vas-y, carrément, j'ai compris. Ok. Oui, c'est une machine. Oh là là, c'est hyper classe. T'es le seul que j'ai pas. Si tu veux la tester, j'ai fait une sorte de. Je t'ai fait un ajustement parce que tu vois, visuellement, j'ai essayé de voir la taille de ton poignet. Eh, c'est très gentil. Hein. Ouais, c'est avec plaisir. Franchement. Et si tu regardes bien, si tu me vois là, avec la double boucle, il y a un truc écrit.
y a des gars. J'apprends. Attends, ouvre-la. Non, t'as la suite, t'as la suite. Vas-y, vas-y, je lis. J'apprends, j'évolue. J'apprends, j'évolue, mais t'es incroyable. Ok. C'est un petit symbole. Eh, je la mets. Bah, bien sûr. C'est quoi ton prénom? Clément. Clément? Ouais. Ok, ça va. Non, elle va être. Ouais, ça va. Si elle va être à la taille. Je pense que ce sera à taille. Non, non, elle va être un tout petit peu trop, mais ça va. Franchement. Eh, ça rigole pas. Super Saphir Assiette Tom's Glen. C'est une édition limitée, elles sont toutes numérotées. Je sais pas si t'as vu. Moi, j'ai la même pour toi, mais elles ont avec une couleur. Et en fait, t'as la numérotation qui se trouve juste ici. Okay. Moi, j'ai la 01 sur 125 parce que je suis créateur. C'est normal. T'as la 14 et Yann a la 13. Franchement, ça fracasse. Ouais. C'est gentil. On est tous de la team, hein, je te rassure. Attends, je regarde ce qu'il y a là-dedans. On est tous de la team. Et là, en un an d'activité réelle, je fais un peu plus de 120 000 euros de chiffre d'affaires. Okay. Je fais tout seul, les designs, le site, les commandes, le marketing. Voilà, je fais tout. Et j'aime bien la démarche. C'est un gros hack hyper sain, ça. Voilà, un hack intelligent. Je reprends les codes du luxe, mais un tarif accessible, c'est ce que je voulais. L'édition limitée. J'ai vu que t'avais pas de non, pour le tour. Non, mais j'en ai pas tout court pour des raisons au moins ostentatoires. Bah, c'est vraiment beaucoup de l'offre comme ça. Toute numérotée. T'as des graveurs perso, tu vois, il y a une petite graveur perso dédicacée pour toi. Ouais. Je voulais marquer, ne fiez pas sur mon temps, ça rentrait pas. Mais Ah, dommage, trop stylé. C'est quoi, c'est ça la marque, quoi? C'est ça la marque. Bon, le Luxury, pour expliquer un peu comme par un coiffeur qui va mettre hair dans son nom. Pour que les gens comprennent direct que c'est les codes du luxe, c'est pas du luxe. Et toi, t'es à Lyon? Moi, je suis à une heure en dessous de Lyon. Donc toi t'as ton certificat, t'as ton petit nom avec le petit CD, la numérotation de la 325. Avec une petite finition col de pierre sur le. Tout est pensé au détail, je fais tout seul, le design. Excusez-moi, vous avez vu ce qui est en train de se passer? Je fais le design, je fais le site internet, t'as la carte de garantie qui est là. Allez, je pense que même si t'as une Rolex, ils ont pas des aussi belles cartes. Franchement non. T'as le QR code qui est, voilà c'est ça. Okay. T'as le petit porte-clés, t'as chiffon polish. Tout est en cuir, t'as la notice, t'as un masque, si jamais tu veux faire la cube avec l'impression, t'as avec le filtre. Tu m'as vraiment extrêmement respecté. Oui. T'as les maillons que je t'ai retirés parce que je t'ai fait un ajustement, j'espère que tu conviendras. On s'est dit. C'est le moment. Hein. Tu unbox. Vas-y, unbox. Allez, vas-y, unbox. Tac, la surboîte, on s'en fout. Je suis en train d'avoir une montre, hein, pour info. Si jamais. C'est le seul, normalement il faut le couper, le CD. Et le CD du coup je te l'ai. Ouais, c'est moi qui fais le design, je suis assez fier, je t'avoue. C'est de l'acier de tungstène avec de l'acier inox, c'est du verre saphir. T'as le numéro exact ici, tu vois, t'as la 13 sur 125 gravé en France. Et surtout. Et là t'as la petite cible rentable. Énorme. Voilà. C'est énorme. Et avec verre saphir avant, verre saphir arrière, tout numéroté, acier de tungstène, acier brossé, mouvement japonais. Et Mec, je vous déjà, merci à toi. Avec grand plaisir. Franchement, c'est beau. Si tu veux la soupeser, j'essaye. Je vais la soupeser, je vais essayer. Ah ouais. C'est de l'acier toxène, c'est pas plus dans l'acier classique. Il se passe un truc sur ton poignet. Il se passe un truc. Ok, tiens, on échange. Oui, c'est vrai. On échange, mais calme-toi quand même. Peux la tenir? Parle pas après. Pars pas après, sont légères. Ah ouais, ils sont légères de ouf. Elles sont pas en France que les toquées. Comment ça marche ça? Boucle déployante comme ça. Non, mais double comme ça, ouais. Comme ça. Normalement, j'ai calculé ton poignet, normalement ça roule, tu vois. Il en faudra peut-être un de moins. Ah, tu penses? Moi, je t'ai amené la. Ouais, là, je suis en mode gourmette. C'est pas grave, moi, elle bouge un peu aussi. Moi, je peux t'en dire, là, j'ai plus ce qu'il fallait. Ah, il y a un petit truc genre marble. Ouais, style marbre, après, t'as du super Luminova sur les aiguilles. Ça permet de vendre la nuit, voilà, elle est pas rechargée avec la plaque exposée au soleil. Franchement, mec, trop cool. Tu m'as respecté de malade. Là, là, t'as atteint le level ultime du cadeau. C'est pour la contribution. Personne ne peut plus te battre. Oui, je me suis dit, les cookies, c'était sympa. Ah, mais... les cookies, c'est bien. Le vin, j'ai kiffé, les gars. Tu sais que tu fais de la muscu, donc ça fait du cas. Mais là, franchement, ça fait plaisir. Ça va prendre deux fois celui-là. Franchement, mec, ça fait. Ça va lui prendre 200 grammes de poignet. Mais c'est trop stylé, les hommages, je respecte ton truc. Avec grand plaisir. Bon, c'est même pas le but, c'est juste que ça me plaise. Non, mais ouais, mais c'est cool. Je te débarrasse de ta Rolex si tu veux. Non, calme-toi. Non, trop bien. Merci mec. Bah, nickel, avec je la remets direct dans son écran. Tout le monde veut un maillon plus par contre. Ouais, mais c'est sur mesure, centre-ville frérot. Sur mesure, dans les rues, dans la street. T'as remis ta Rolex. Oui, j'ai remis ça parce qu'il m'enlève un maillon. Ouais, mais elle est vachement belle, félicitations. Bon, j'ai pas mis le tomatos.
T'as suivi l'histoire ou pas? C'est lui qui fait les montres? Oui, c'est bon. Horloger. C'est bon, le maître horloger. C'est édition limitée. Celle-ci aussi. Tu as la numéro 13. J'ai la numéro 13. Je sors une tonneau encore à Noël. Ça, c'est ma première tonneau que j'avais sortie. Première tonneau. J'ai écouté l'édition entière. J'ai fait les designs à plein business. Tout est designé par lui. Oui, je fais la photo. Tout est en cuir et tout est trop stylé. Et vous aussi, vous avez senti. Plaisante pas, nous. Hein. Ah, tu commences à. Bah, un montre, ouais, je suis content. Tu commences à élever le game en cadeau. Ça ouais, je voudrais dire à tous ceux qui souhaitent m'offrir des cadeaux maintenant, à partir de maintenant. On est sur on est à un niveau comme ça. Ah, trop stylé. Non, ouais. Alors, Yann, j'ai une nouvelle gamme de voitures de luxe. Si tu veux, j'ai une deuxième. Écoute, c'est la nouvelle Lambo STO. Voilà, là voilà, elle est pour toi. Tac. Et là, je vais essayer de piler sur ma montre. Ouais, il fait de la photo, de la charbonne. Garé dans la rue des putes là-bas. Mais ça charbonne comme je peux. Ça les tannons non puissés. Team rentable ou pas team rentable? Là, on est sur de la team rentable. C'est ça. Moi, je mets de l'éthanol dans ma 206, frérot. Sérieux, je te fais une confiance folle. Je vais pas tomber, s'il te plaît. Bonne soirée. Faut que je te le remets. Non, je pense que c'est bon. J'ai peut-être pas d'une goupille dans ce moment. Voilà. Ah, c'est que tu l'as porté. Ouais, je l'ai porté. Ouais, vous avez la même avec Don Pierre, du coup, mais elle a pas la même gravure que toi, vous avez pas le même numéro. Toi, t'as la 13, il y a la 14. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'as un petit peu avant. Trop bien. On voit pas grand chose, mais non, mais bah merci, mec. Franchement, je sais même pas quoi te dire à part merci. C'est moi, je te dis merci parce que tu es avec ton couple, ta part. Tu parles de bien, on peut l'attendre. C'est je kiffe que tu aies attendu jusque là pour faire ça. Non, mais avec plaisir. Il y a même si tu avais payé, on aurait dû se payer, je pense, ici. Et que ce soit sur YouTube ou même en gros. C'est aussi, tu vois, ça a aussi un peu le retour, les gars. Pour ceux qui sont intéressés, ne serait-ce que pour commander une montre. Exactement les mêmes, en tout cas la même marque que vous voyez dans la vidéo. Donc c'est Olymp Luxury. Alors je précise, ceci n'est pas un placement produit. J'ai pas été payé pour faire cette vidéo, c'est simplement une très bonne connaissance. Et sans lui, je n'aurais pas pu vivre ce moment magique. Tous les liens sont en description pour ceux intéressés. C'est vraiment de la très bonne qualité. Je peux tout de suite vous le montrer. En fait, j'ai tout simplement une montre au poignet de la marque Olymp Luxury. Donc comme vous pouvez le voir, celle-ci a un boîtier en forme tonneau. Donc là, vous avez le mécanisme personnellement que je trouve sublime avec des petites pièces assortiment carbone. Le mécanisme est vraiment très précis. J'ai observé personnellement un décalage temporel de d'environ 10 secondes journalier, ce qui est vraiment, vraiment très, très bien. Une réserve de marge de 80 heures. Donc voilà un petit peu ce que vous pourrez avoir, vert saphir inrayable, le top. Bon voilà, je pense que t'as kiffé comme moi. Franchement, c'était insane, non? Mets-le en commentaire. Incroyable. J'arrête pas de dire incroyable, mais c'était vraiment le cas. C'était vraiment le bon terme. La vidéo d'aujourd'hui s'arrête là. C'était simplement pour faire un petit feedback sur le tour. Moi, comment j'ai vécu le truc. Je te remercie de regarder cette vidéo. Si tu es resté jusque là, c'est un plaisir. Un petit pouce bleu, un petit commentaire de référencement et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Même si la chaîne est récente, il va y avoir pas mal de contenu. Je te souhaite une bonne fin de journée. C'était Jeremy Sensei. Ciao, ciao.